Bonjour à tous, c'est Elodie du A Petit Son. Je vous retrouve aujourd'hui pour une séance d'éveil musical spéciale Pâques. Voilà, vous avez déjà eu la séance de Farid et moi je vais vous en proposer une nouvelle avec d'autres petites chansons inconnues. Alors, on commence par notre chanson pour nous dire bonjour. On va fêter Pâques ensemble. Alors, il nous faut des œufs. Mais en fait, pour avoir des œufs, tout commence par une poule. Oh, regardez, elle est là, ma petite poule. Et moi, les poules, comme vous pouvez le remarquer, je les préfère en chocolat. Vous écoutez ma chanson sur la poule au chocolat? Hop, je la mets là, à côté de nous. Elle nous écoute. Petite poule en chocolat, je te croquerai la tête. Petite poule en chocolat, je te croquerai les ailes. Petite poule en chocolat, c'est vrai que je t'aime, t'aime. Petite poule en chocolat, dans ma bouche vite tu fondras. On refait une fois. Petite poule en chocolat, je te croquerai la tête. Petite poule en chocolat, je te croquerai les ailes. Petite poule en chocolat, c'est vrai que je t'aime, t'aime. Petite poule en chocolat, dans ma bouche vite tu fondras. Voilà la chanson de ma petite poule en chocolat. Je la refais avec mon ukulélé. Et vous essayez de faire les gestes et de chanter avec moi. C'est parti. Chanson de la poule en chocolat que je mangerai plus tard. Et ma poule, elle a pondu un œuf. Regardez comme il est beau mon œuf. Puis on dirait que c'est un œuf qui est rempli avec des graines pour pouvoir faire de la musique. Ah, on s'en servira plus tard. Mais d'abord, on commence par un petit jeu de doigts pour les plus petits sur les œufs. Une poule a pondu un œuf. Mon premier l'a ramassé. Mon deuxième l'a cassé. Mon troisième l'a fait cuire. Mon quatrième l'a mangé. Et le tout petit, il n'a rien du tout. Lèche le plat, mon petit. Lèche le plat. On le refait ensemble? Oh, mon œuf. Une poule
a pondu un œuf. Mon premier l'a ramassé. Mon deuxième l'a cassé. Mon troisième l'a fait cuire. Mon quatrième l'a mangé. Et le tout petit, il n'a rien du tout. Lèche le plat, mon petit. Lèche le plat. Voilà, ça fait travailler la gymnastique des doigts. Et vous savez, les enfants, en France, on raconte que ce sont les cloches de Pâques qui apportent les œufs. Écoutez les cloches qui résonnent, écoutez. Et moi, justement, j'ai fabriqué une cloche il y a un petit moment. Hop, écoutez ma cloche. J'arrête le son de ma cloche. Alors la cloche, c'est un instrument avec un son qui résonne. Vous avez vu, il dure longtemps. Et alors cette cloche, je l'ai fabriquée en utilisant une énorme boîte de conserve que je suspends avec un fil. Et puis, en dessous, on a une tige, une grosse tige en fer, voilà, qui est sur laquelle la boîte de conserve est fixée. Voilà, je ne suis pas très bricoleuse, mais on avait fait ça il y a un petit moment, et c'est bien pour faire le son des cloches. Celle-là, elle fait un sol. Voilà pour la petite histoire de cette cloche fabriquée. Et maintenant, je vais vous chanter la chanson des cloches, mais sans la cloche qui est trop lourde pour mes petits bras, et avec le ukulélé. Bonne écoute. Je vous ferai un nid douillet pour y poser vos œufs coquets.
coq alors qu'apporte les œufs en France. Et en Allemagne, on dit que c'est les... Le lapin. Mais alors ce lapin de Pâques, il est vraiment curieux. Écoutez, tout ce qu'il mange, il apporte des œufs. Mais qu'est-ce qu'il mange en échange? Il mange tout et n'importe quoi, écoutez. Vous avez vu, on peut trouver plein de rimes, vous pourrez en inventer d'autres pour trouver encore ce qui peut manger tout ce lapin qui finit par le son 1. Et alors moi, ce que je préfère quand même, c'est les œufs. Parce que les œufs, on peut faire de la musique avec. Il vous suffit de trouver quelque chose de rond qui ressemble à un œuf. Ça marche par exemple avec les petites boîtes de Kinder Surprise. Là, vous pouvez les remplir avec des toutes petites graines comme du riz, de la semoule ou même des petites perles corail. Moi là, dans mon gros œuf, je n'avais pas grand chose. Je suis allée dehors et j'ai trouvé des cailloux. Et voilà, j'ai mis des cailloux dans mon œuf. Ou alors même si vous avez des œufs maracas qu'on peut acheter dans des magasins de musique, vous pouvez prendre votre œuf maracas et on va le faire passer d'une main à l'autre. Voilà, on joue sur la pulsation de la musique. C'est bon, vous avez votre œuf? Un œuf, deux œufs, payez-moi tout ça pour la jolie Pâque. Un œuf, deux œufs, là-bas en Russie, ils sont si jolis. Cette fois, on s'accompagne, on secoue son œuf comme si c'était une maracas. Un œuf, deux œufs, peignez-moi tout ça pour la jolie Pâque. Un œuf, deux œufs, là-bas en Russie, ils sont si jolis. Un œuf, deux œufs, en bleu, en vert, en jaune ou en rouge. Un œuf,
tous la couleur chocolat. Un œuf, deux œufs, et moi je mangerai tout le chocolat. Ouais, vous m'accompagnez tout seul avec votre maracas ou votre œuf fabriqué. Et moi, je prends mon ukulélé. C'est parti. Vos papas, vos mamans, vos frères, vos sœurs. C'est parti, vous êtes prêts? Alors on va faire des petites danses sur les poules. D'abord la petite poule rousse et puis ensuite le rock'n'roll des Gallinacées. C'est parti!
cette séance vous a plu, que vous avez bien dansé, que vous avez bien chanté. Et on se dit au revoir en italien. À bientôt, je vous fais des bisous.